Le monde change en permanence et on a parfois du mal à le suivre. Heureusement, ils sont là pour nous éclairer. On va retrouver Bruce Toussaint et oui, notre spécialiste. Et oui, bonjour Alexandre. Alexandre. Bonjour Bruce. Alors, Alexandre Omar Sy est avec nous ce matin, exceptionnellement, avec François Cluzet. Alors, vous allez être fun, hein, puisque c'est une spéciale aujourd'hui, Alexandre. Vous allez être people, vous allez parler sinoche, bref, vous allez nous éclater, Alexandre. Bonjour, Bruce. Oui, aujourd'hui, ce matin, je vais être léger, funky, pour parler d'Omar Sy. Omar Sy, qui est d'origine sénégalaise. Le Sénégal, ce pays limitrophe du Mali, de la Mauritanie, limitrophe également de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Alors cette semaine, au Sénégal, avait lieu des élections présidentielles, des élections qui ont vu la victoire de Macky Sall contre Abdoulaye Wade. Mais comme Omar est surtout d'origine de Trappe, on peut dire, comme disent les trappistes, que Macky Sall lui a fait un gros Wade. Un Wad. Doigt en verlan. Un Wad. Ah, c'est doigt en verlan. Ah oui, Wad, d'accord. Et on comprend mieux pourquoi il s'appelle Abdoul Aïe. Abdoul Aïe. Oui, oui, Aïe. Un Wad, Bruce, ça fait mal. Merci, merci Alexandre. Oh là là. Bonjour, Bruce, de rien, Bruce. J'ai essayé de faire le Jones. Wesh, ma gueule. Adler représente le 8e et dans la place. Wad à RTL.